par ici. Boum. Manette, très bien. Commencez en mode assister. En mode assister, des flèches vous indiquent le chemin à suivre. Et si vous faites une chute malencontreuse, vous pouvez revenir au jeu tout de suite. What the fuck. Tu vas aller chercher toutes les lunes. Bah, je crois qu'il y en a beaucoup, non? De ce que j'ai cru comprendre, il y a beaucoup de lunes. Il y en a beaucoup. OMG. Je suis fils d'un seul nous. Attendez, me dites pas que c'est Bowser qui va... Ça donne un petit PV quand tu tombes, tu en reviens en bulle, ok. Bon, on va pas faire ça. Dans le cas, c'est à combien de joueurs? Autant que vous voulez. C'est limité. Oh, Mario vient de se faire déglinguer la gueule. Mario vient de se faire déglinguer la gueule, on est d'accord là? C'est Darius Gamer, salut à toi. Quoi, English? C'est pas English? Waouh, le chapeau déchiré pour le début, carrément. Toi, je te connais, je t'ai déjà vu dans les gameplays. Eh B. Merci Antonio. Regardez aux alentours, putain, c'est vraiment tuto du tuto. Hein. Sautez! Hop là! Tu commences un nouveau Mario? Ouais! Ok. Il y a triple saut ou pas? Je pense à triple saut. Hein. Bon, il y a clairement triple saut. Je teste un peu les touches. Hein. Les tutos plus longs que mon avenir. Bon, ça, il vient de commencer. Hein. Bon, pour l'instant, tout est classique. Hein. On est où par contre là? C'est quoi ce monde bizarre là? Comment on a pu atterrir ici? Tu es dans un des leurs. T'as jamais joué à Odyssey? Non, jamais Pied d'énergie. Ça va? T'as joliment enflé hein? Ce lourdeau de monstre Bowser s'en est aussi pris un autre patelin. Il a enlevé ma petite sœur. On se voit dans un univers Tim Burton, c'est vrai ouais. Quand tu stream ta Switch avec un boîtier de capture et le gâteau. Boîtier d'acquisition. Tu aimes le pain? Je suis allergique, donc non. Ma calotte n'a fait ni une ni deux, je me suis ruvé à verso pour poursuivre cette brute de monstre. Mais il n'y en a plus un seul en état de voler. Regrisoille. Cela dit, il doit bien rester un vieux rafio encore utilisable dans le pays voisin. Je pourrais m'y rendre depuis le sommet de cette tour, mais les acolytes du monstre ne me laisseront pas passer. Dis-moi, on est dans la même galère toi et moi, non? Ensemble, je suis sûr qu'on arrivera à sauver nos deux demoiselles. Allergique au pain? Bah oui, je suis allergique au gluten. Ah et voilà tout le gameplay de Odyssey. Pas convaincu? Peut-être comme ça? Capi est maintenant votre compagnon. Ok, essayez de me lancer avec Y. Ah mais oui, d'accord. Est-ce que le tuto est vraiment important ou... Capi! D'accord, ok. Y'a pas de sprint, on est d'accord. Hein. Ah ok, X ça lance aussi. D'accord, y'a pas de sprint, on est d'accord. Il sprint direct Mario. Important le tuto. J'avais dû... Attends mais comment les gens... J'avais vu que des gens ils arrivaient à rouler. Comment les gens ils font pour rouler? Les gens ils roulaient, comment ils font pour rouler? S'il y a le sprint. «
Putain, et par contre, je vais pas mentir, au niveau des contrôles, ça change des anciens. Hein. Au niveau des contrôles, c'est quand même bien agréable. Hein. T'as déjà joué à Genshin? Jamais. Jamais joué à Genshin. C'est vraiment très agréable au niveau des contrôles. Waouh, ça fait tellement... Putain, quand tu finis, tu viens de finir New Super Mario Bros 2 et passer à ça, c'est incroyable. Hein. Ce que t'as mis, je crois pas que celle-là est là. Salut Brooke. Ma manette, elle a pas. C'est le moment que je n'ai pas joué à Super Mario Odyssey. Est-ce que c'est le, Mario, c'est le meilleur Mario pour vous ou pas? Est-ce qu'on est sur le meilleur Mario? Je pense le faire à 100%. On verra déjà, déjà, je vais voir si j'ai mis ou pas. Non, le meilleur, c'est Super Mario Galaxy. Ah, le 2, moi j'ai adoré. Hein. Ça, je trouve que c'est bien passé. Tout nickel, ouais. Les galaxies sont les meilleurs objectivement parlant. Meilleur, je sais pas, mais un des meilleurs pour ce qu'il propose. Il est bien, mais c'est pas le meilleur. Ah, et ça active aussi les cubes comme ça. Ok, ok. Le meilleur jeu Mario, c'est Mario Odyssey. Bah, je sais que quand j'avais commencé le marathon Mario, il y a beaucoup de gens qui me disaient, genre, ouais, franchement, tu vas voir Mario. Mario Odyssey, c'est le meilleur et tout. Il y a beaucoup de gens qui me disaient ça. Est-ce que les pièces, c'est vraiment utile ou on s'en bat les couilles un peu? Voilà, du coup ça. Parce qu'il y a Mario RPG qui va être incroyable. Alors je sais pas si j'y jouerai là quand il va se... Alors par contre j'ai une question. J'ai une vraie question. Je sais ce qui va se passer, ça j'ai déjà vu quand même. Hein. Je connais Mario vs Lapin Crétin de nom mais jamais joué. Et mesdames et messieurs, ce qu'on peut supprimer de la Raytos qui renouvelle son mouvement pour un deuxième mois avec son Prime. Merci beaucoup, Raytos. Mario s'est chapimorphosé en grenouille. Dans la gueule qu'il a, quoi. La gueule qu'il a. Ça, c'est insane quand même. Hein. Mario est devenu une grenouille. Du coup, est-ce qu'en tant que français, ça vous donne envie de le manger ou pas? Vraie question. Je pose sincèrement la question. Hein. Non. Moi en tant que Suisse, ça me donne envie de le manger là. Oui, c'est bon en plus, vous savez que j'adore les grenouilles. Hein. Vraiment premier degré, je trouve les grenouilles, c'est super bon à manger. Vous trouvez pas? Ah, Z elle, ok. Non, mais je veux pas, c'est quoi? Ok. J'avais mangé, mais franchement, les grenouilles et les escargots, c'est banger, vraiment. C'est trop bon les grenouilles, ouais, moi j'adore ça. Bah, tu nous prépares des grenouilles, Tasse, quand on vient faire l'apéro chez toi? Ok, il y a le bateau là-haut. C'est quoi, c'est un checkpoint, je pense? Mais grillé ou cru? Non, mais grillé, Mathieu, tu vas bouffer des Je pense pas que des grenouilles, ça se mange cru. Enfin, j'ai pas l'impression. Je crois pas en tout cas, non, ça se mange pas cru des grenouilles. Ouais, ils ont tellement aucun charisme les lapins. Les cagoules c'est tout bon grâce à la sauce qui est banger aussi, ouais. Tu m'as pris pour Georges Blanc? Oui. Le patron avait raison quand il disait qu'un moustachu à casquette viendrait se mettre dans nos pattes. On est où? Hein, quelle question, hein, Clinton, devant les maîtres de la noce ordonnateur du fastueux mariage. Découvre-toi devant les grands Broodals. Ils ont aucun flow, hein. Maintenant qu'on a notre trésor, on n'a plus rien à faire ici à part une petite formalité. Te faire aller ta casquette, Minus, viens donc voir par ici. Ils ont zéro flow, hein, je suis désolé. T'as pas le droit de perdre. C'était dur, hein. C'était dur, hein. L'arc Up est fini ou t'en fais encore? Je vais en refaire parce qu'il y a un nouveau jeu Up qui va sortir. Donc on va le tester. Mais dans le jeu de base, en fait, je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, mais ce qui s'est passé avec Up, c'est qu'ils ont fait trop de mises à jour. Vraiment, en premier degré, ils ont fait beaucoup trop de mises à jour. Et du coup, ça m'a cassé les couilles. Mais vraiment, premier degré, je trouve ça trop chiant qu'il y ait tout le temps des mises à jour sur... un peu dur ton jeu, là. Ouais, c'était dur, hein. Oh. Donc voilà, je trouve ça très relou qu'il y ait autant de mises à jour sur Uniup et ça m'a fait chier, j'ai... voilà.
Alors peut-être que vous, ça vous a plu, je sais pas, mais... Ouais, moi j'avoue que c'était un peu... Je sais pas. Pas fou, quoi. Pas fou. Putain, la gueule qui se tape Mario, quand même, c'est incroyable. Et pour nous, c'est bien au resto, c'est trop long à faire. Bah, fais-nous des escargots, alors, Taz. Des petits escargots, Taz, t'es chaud ou pas? La première lune de puissance. Et enfin, voici le pays des chutes. La chapiment fausse sur une électrique, ça retourne. Derrière un vieux vaisseau dans les parages, partons à sa recherche. Du jardin, les grenouilles du jardin. Alors moi, j'ai pas m'amusé à aller chercher les grenouilles dans le jardin, non. Ça, je peux me transformer du coup, pas au perroquet là. Perroquet? Je peux pas. Pays des chutes, j'adore la musique. Tu peux monter là-haut? Ok. Ah, les chapeaux, il reste là quand... Ok. 100% sur Odyssée, je sais pas, Cotter, non, je viens à peine de commencer. Ah, faut que je rush, ok. Et c'est quand même bien fun à part ça. Le jeu est beau, bah... C'est le dernier Mario qui est sorti, hein. Attendez, non, il y a eu... Est-ce qu'il y a eu un autre Mario qui est sorti après? On s'écrase au sol, c'est saut plus ZR en l'air. Ok. Des plongeons, mais je sais plus c'est quoi les touches. Bon, je vais découvrir au fur et à mesure. Hein. 3D Land sorti après? 3D World, tu veux dire? Merci beaucoup, Flo. YaelReboa@gmail.com. Donc, la mise à jour change la map, une mise à jour puis rajoute une autre map, ce serait mieux. Je suis d'accord. Pour Niap, ouais. T'as vu Mario Bros Wonder? Ouais, j'ai très hâte aussi ça. Oh! Oh! D'accord. Et ça, c'est le vaisseau, ouais. Bowser Fury, très beau d'ailleurs. Ouais, peut-être qu'on le fera aussi, ouais. Enfin, je pense qu'on le fera aussi. Il y a un petit air de fossile, mais c'est parce que c'est un ancien modèle. J'ai commencé à créer une map Fall Guys. Vous conseillez quel thème? Cache-cache. Essayons de le mettre en marche. Lance-moi sur le globe là-bas. Tu découvres? Je découvre, Daruk, ouais. Après, j'ai déjà vu un petit peu des gameplays, ce genre de choses, du speedrun, donc je connais un peu ce qui se passe, quoi, mais... Il y a aussi des pièces vides dans les parages. Donnez-moi pas trop d'infos, les amis. Laissez-moi un peu galérer, s'il vous plaît. Ça ne démarre pas, on doit manquer d'énergie. Attends, des lunes de puissance à grappiller dans le coin. D'accord. OMG, de la tunasse! Gimme the tunasse! Et ça, on peut pas les casser, ça? Il y a des moyens de les casser, hein. Oh, je suis déjà presque joueur pro, à part ça, non? Vous avez vu ce move de presque joueur pro, déjà? Oh là là, joueur pro! Joueur pro, vous pouvez le dire, je suis joueur pro. Hein. Vous pouvez le dire, je suis joueur pro. Reconnaissez que je suis joueur pro, s'il vous plaît. Comment ça, non? Comment ça, non? Et le plus dur pour vous, c'est lequel? Moi, payer des gratte-ciels de sable. Joueur pro, apte pour le speedrun. Tu peux monter là-haut ou pas? Ok. Je découvre encore un peu les touches, hein. Faut me laisser galérer. Et du coup, est-ce que je peux tuer l'autre là? OMG! J'ai fait une. Ah, mais attends, mais lui il est plus gros, non? Il est beaucoup plus gros. Tu viens me voir à la maison cet hiver, on ira manger des bonnes grenouilles et des dômes et des escargots, promis. Ça marche. Ça marche. Regardez-moi ce joueur pro. Regardez-moi ce joueur pro. Non mais regardez-moi ce joueur pro. C'est les Grisox. Ah, ils réapparaissent, merde, putain. Donc, attendez, faut que je trouve des lunes en fait. Il y a des pièces là-haut. Faut que je trouve des lunes, moi. Faut que je trouve des lunes. 3 sur 50. Il y en a un. Ah ok, d'accord, ok. Vraiment dans un but, j'ai vu que tu étais dans la team BDS, comment ça se fait? Bah je suis créateur de contenu chez eux. Et joueur pro aussi. Je suis joueur pro chez BDS, pourquoi? Ça me semble bizarre que je sois joueur pro chez eux, j'ai pas le niveau, c'est ça? Putain, et ça c'est comme les anciens, d'accord.
Ça, c'est vraiment cool à voir ça. Ça, c'est vraiment très cool, je trouve. Ça, c'est vraiment très stylé. Il dit de prendre les pièces, hein, donc je les prends. Ça y est, Redrox ? Je m'ai manqué de t'aider là avant, non ? Ah, j'ai pas de saut contre le mur là, du coup. Merde. Salut Thomas ! Joueur pro Fortnite ? Je suis joueur pro Fortnite ? Ouais, c'est quoi le problème avec ça ? Il y a un chemin là-bas. Alors, ce jeu, bah là, pour l'instant, découverte, mais très fun au début. Oh, il y a une lune ! Joueur pro Fortnite, j'ai déjà gagné des tournois Fortnite. Est-ce que vous, vous avez déjà gagné des tournois Fortnite? Je crois pas, non. Je pense pas que vous ayez gagné des tournois Fortnite comparé à moi. On a gagné, j'en ai gagné une ribambelle d'ailleurs. Hein. C'est vraiment trop fun ça. Hein. Ça, c'est vraiment très très fun. Tu joues pas à Fortnite? Bah, peut-être tu devrais. Peut-être que tu devrais jouer à Fortnite. Merde. J'ai fait exprès, j'ai clairement fait exprès. J'ai clairement fait exprès. J'ai clairement fait exprès. Je suis actuellement en train de m'entraîner au speedrun de ce jeu. C'est dur ou pas? C'était pour vérifier si j'avais pas rien oublié ici. Parce que là, il n'y aurait pas quelque chose. Je cherche les lunes, moi. Hein. Vraiment pas dur le speedrun. En plus il est pas mal speedrunné je crois celui-là. Hein. Il est pas mal speedrunné ce jeu à part ça, hein, il me semble. Hein. Regardez comme je maîtrise la technique de la roulade déjà. Regardez comme je maîtrise la technique de la roulade déjà. C'est pas beau ça? Est-ce que ça c'est pas beau? Regardez une lune! Non mais attendez! Est-ce que tu as fait un let's play 100%? Bah si ça vous plaît, oui, pourquoi pas. Ah ouais, la speedrun bientôt en plus. Ouais, le 100%, ouais. Salut Léane. Il y a un truc là-bas derrière, il y a un truc là aussi. Ah, il y a des pièces là-haut. Il y a des pièces là-haut à aller chercher. Oh, mais putain, il y a une... Attends, mais c'est impossible ça. C'est trop possible ça. 100% que tu termines aujourd'hui. Vous voulez une prédiction? Est-ce que je termine le jeu aujourd'hui à 100%? Vous voulez une prédiction? Oh, ils ont pété un câble, hein. Ils ont pété un câble. Mais merde, mais Nintendo, vous avez pété un câble. Attends. Mais Nintendo, vous avez pété un câble. Warmax, ils ont pété un câble. Mais à quel moment ils se sont dit que... Non, je voulais faire turbo. Ils ont pété un câble. Oh, il y a des pièces de jet, j'avais pas vu. Hein. Après, est-ce qu'on avait... est-ce qu'on avait vraiment besoin de l'ino? Attends, il y avait un chemin derrière aussi que je voulais voir là-bas. Oh! J'ai réussi à plonger! Joueur pro Mario Odyssey, joueur pro. Du coup, t'aimes bien? Bah, le début est fun, ouais. Putain, mais il reste tellement de pièces, elles sont cachées où? Mais est-ce que ce jeu à 100% il est vraiment speedrunné ou pas? Je pense pas en vrai, non. Personne speedrun ce jeu à 100%. Y'a rien de plus là?
Il y a réussi le dive. Regardez le dive. Boum. Hop là. Est-ce que vous savez faire le dive? Hop là. Oh, mais il y a des pièces là. Est-ce que vous savez faire le dive? Je pense pas. Hop là. Julien a fait le 100% en speedrun. Bon, Julien, il a fait beaucoup de choses. 100% pas longtemps que tu fais, tu es dans le top 60. Ouais, bah y'a personne qui fait le jeu à 100% quoi. Attends, mais ça fait un live de combien de temps? Si tu speedrun le jeu à 100%, ça fait un live de combien de temps? Mais y'a des trucs là. Oh! C'est quoi, c'est du 30 heures non? Alors, faut être motivé quand même, non? Faut vraiment être motivé. Je sais pas si j'ai oublié les trucs là ou pas. J'ai oublié les trucs ou pas? Il me reste 2 étoiles à trouver. Ah oui, vraie question. Est-ce que vous pensez que c'est mieux? Ah, ça j'ai vu. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de faire à 100% un monde avant de passer au suivant? Ou alors on passe au suivant dès qu'on peut? 33 heures qu'Xavab l'a déjà fait. Oui, mais après Xavab, c'était la première fois qu'il faisait du speedrun, donc je pensais que tu peux faire moins de temps quand même. Hein. le monde, ok. Attends, il manque deux lunes. Il y a un truc qui vole là-haut. Encore du monde 100%, c'est 8h30 à peu près. Putain, il est chaud quand même. Bon, on va faire 100% avant d'aller au prochain. Ah. Donc je vais là-haut, là où il y avait l'espèce de boss, je pense, c'est ça. T'es en train de me dire. Salut Lazara. Salut X-Miss. Oh, et les musiques, elles sont insane dans ce jeu, hein. Les musiques, incroyables la musique, hein. Aïe. Si vous voulez, on peut faire un jeu. Dès que je bonk dans un truc, genre ça, comme ça. Boum. Non, c'est quoi, Alex, est-ce que tu veux faire le même jeu qu'à la dernière fois pour le Mario Kart ou pas? Je vais passer au suivant et revenir après, ok. Nombre de lune. En haut à gauche, c'est le nombre qu'il faut pour aller au prochain monde. D'accord. Ah, ok, d'accord. Là, il y a une carte ou pas? Ah, mais il y a une carte, ouais, ok. Je t'ai coupé les cheveux, ouais. Donc, alors, attendez. Est-ce que vous vous rappelez ou pas du... Attends, mais du coup, je peux me téléporter en haut? Non. Ah, si. Ah, ouais, ok. Est-ce que vous vous rappelez du challenge qu'on a avec Netri Alex pour le tournoi Mario Kart ou pas? A chaque fois que je fais entre top 1 et 5, elle offre un sub. A chaque fois que je fais top 6 à 12, je bouffe un piment. Ah, c'est beau, Flo, mais le kick dash. Ça n'arrive pas à faire décoller son épave et ça vient demander la lune. Désolé, petit, mais je ne donne pas mes lunes au premier venu. Et de 12 à 20, il n'y a pas de 12 à 20 sur Mario Kart. Et surtout pas de la pâtée pour chomp. Je suis pas de la pâtée pour chomp, ok? Tu restes tranquille! Ah merde. Ouais, j'imagine, hein. J'imagine bien. J'ai pas eu. Let's go! Facile, facile, re Juliette! Voilà. In your face! Salut Taki! Sur Odyssey, trop cool. Ouais, bah en plus, le jeu est vraiment fun. Hein. Pour l'instant, le jeu est vraiment fun. Hop là! Avec son bras de bébé, t'es un pâté pour chomp. Je suis pas un pâté pour chomp, ok? C'est quoi? La prochaine personne qui parle dans le chat est un pâté pour chomp. La prochaine personne, c'est un peu fort dans le jeu par contre. Et bah, c'est Taki, mesdames et messieurs. Taki, t'es du pâté pour chomp. Non, c'est Taki, les amis, c'est Taki. Taquille, pâté pour chomp, taquille, pâté pour chomp. Après, c'est pas grave. Franchement, être du pâté pour chomp, c'est pas grave. C'est pas si grave, vraiment. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut se mettre de la Mathias qui renouvelle son abonnement pour un 4e mois d'abonnement? Merci beaucoup, Mathias. En vrai, moi, t'es utile. Tu donnes quel niveau sur Mario Kart? Je suis plutôt bon, on va dire. Bah, je sais pas, on va poser la question au chat, mais ils vont troller. C'est quoi mon niveau sur Mario Kart pour vous? Ces 10 bijoux ont une énergie de 3 lignes de puissance, on devrait réussir à faire démarrer notre trafic avec ça.
D'avoir fini le monde et puis le faire à 100%, ok. 2 sur 10, ouais, bon, merci. 8 sur 10, 8 sur 10. Plutôt bon. Semi-bot. Fort, excellent. Vous mettez de la pâté pour Chum que pâté pour Bowser. Je sais pas, en vrai. Je sais pas. Yolinatix, à bientôt à 7.5 sur 10. Oui, il y en a qui trollent, il y en a qui trollent pas, ça me fait plaisir. Level de Kaoxyde à Fall Guys. Personne n'est aussi fort que Kaoxyde à Fall Guys. Quand tu lances Capi, il a ce bouton à pied. Oui, j'ai déjà fait avant. J'ai vu. Nouveau monde, mesdames et messieurs, nouveau monde. On parle au pays des sables. Allons vite secourir nos demoiselles. Faire partie de la sélection pays des sables, appuie sur A et zou, on met les voiles. Et du coup, vous êtes sûr que les lunes qui me restaient ici, je pouvais pas les prendre? J'utilise pas des techniques de pro. Bah je viens de commencer à jouer. Merci beaucoup pour le 108. If the moon you're looking for is big, round, white and paler than Casper, look no further. It's right there, you're sitting on it. Salut inconnu. Je pense que ces pièces violettes, tu pouvais les finir. Ok, bon au pire, je reviendrai, c'est pas grave. Et à plus en Togo. Tu es une, c'est mieux d'abord finir le jeu, d'accord. Salut Mathias, tu comptes faire le jeu tranquillement ou le 100% direct? Je sais pas. Salut Rams, à bientôt. On va faire le 100% en premier essai, d'accord, ok. Il y en a qui sont récupérables seulement lorsque tu as déjà fini le jeu. D'accord, ok. D'accord. Salut Sushi. On va chercher de l'eau aussi après. Les cinématiques sont très chouettes hein, par contre. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce képi de capitaine? Pas mal, non? Revenons à nos moutons. Alors comme ça, cette crapule de monstre s'appelle Bowser. Eh bien Bowser n'a qu'à bien se tenir parce qu'avec l'Odyssée, on va le rattraper en moins de 2. Bon moment si on profite du voyage pour faire un peu de lecture. Truc du voyage charge au sol. Oui bon alors c'est plutôt ok. En vrai, je te conseille de finir le jeu à 100%, il y a des trucs vraiment cool. Ok, on fera. Est-ce qu'il y a des lunes qui sont vraiment dures ou pas? Ou est-ce que tout est plutôt simple? Je suis fatigué, je me suis endormi sur mon PC ce matin suite à une nuit blanche, mais sinon ça va. Est-ce que par hasard t'as fait une nuit blanche sur le Discord et discuté de conneries avec Poc Antoine par hasard? Je dis ça comme ça, Aram. Oui, il y en a pas mal qui sont galères. Des nuits vraiment dures. Même pas, ok. Au sommet de la tour des ruines. La lune préférée, c'est Luna Lovegood. On y a l'Odyssée, vole comme un charme. Brûle, on pourrait fendre des briques avec un froid pareil. Je pensais qu'il faisait chaud dans le désert, moi. Tiens, il y a quelque chose qui brille en haut de la tour. C'est peut-être une lune. Regarde le nombre de lunes à prendre. Bah ouais, 900 quelque chose, donc il y en a forcément des durs. D'ailleurs, quel est le Mario le plus dur? Ouais, non, mais ça, je sais en fait la réponse. Mario plus dur c'est le 2 là. Hop là, muchas gracias. Niveau dessert c'est le désert. Qu'est-ce qu'il raconte? Je vais montrer nos avantages, j'ai pas vu à la fin de la rivière. Je montre après. The Levels exactement. Yo les mon guy. C'est du Giga, peut-être que j'ai juste attendre, je sais pas. Il faut attendre, ok. Attends, mais il y a un bruit d'étoile là. De lune. Oui. Plus dur, c'est Mario Maker 2, jamais essayé, ouais. Il y a une lune qui va pousser, d'accord. Donnez-moi pas toutes les infos, les amis. Donnez-moi pas toutes les infos. Je m'en serais douté, mais. Ne me donnez pas toutes les infos. Laissez-moi galérer un petit peu. Il y a un trésor caché quelque part dans cette pièce. Un indice, il n'est pas visible, mais il est perceptible. Essayez de sentir les vibrations de déplaçant. J'ai rien qui vibre. C'est ma manette qui marche pas ou...
Vibration, c'est où? C'est là? Utilise vibration, intensité, forte. Et pourtant, c'est activé là, non? Ça vibre pas. Salut Red Ice, y'a rien qui vibre. Menu switch? Paramètre switch? D'accord, attendez. C'est où là-dedans, vous savez ou pas? La manette? Ouais. Sur les manettes compatibles. Je pense que j'ai pas une manette compatible en vrai. Je pense que j'ai pas une manette compatible. Je n'ai pas une manette compatible. Bon bah dites-moi, je dois faire quoi? Tu roules le bon endroit et tu approches la manette. Allô? Allô? Ouais, ma manette avec un câble. Merci pour le flow à gêne. Ok. Y'a d'autres lunes pour lesquelles ça va être chiant ça ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres lunes pour lesquelles ça va être chiant ça? C'est là où j'étais avant. Ah ah! Ok. Attends, y'a un truc là. Bah ça va, je m'en sors bien en vrai, non? Y'en a un autre, ça va être chiant. Bon, vous me direz pour ça, mais ok, vous changerez de manette, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses là? Y'a quelque chose là. A plus, Hakim, des bisous! Vrai ananas. Tu fais à 100%? Bah je pense en vrai non. Je sais pas. Parle-leur. Tu vas ben, tu vas foutre la frousse. Si tu veux acheter quelque chose, passe par l'entrée principale s'il te plaît. Ah bah super hein. Ça valait la peine de leur parler hein. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Est-ce qu'on peut tous dire merci à Mathieu dans le chat? C'est quoi ta manette? J'ai une manette comme ça, qui était faite pour jouer à Smash. Merci Mathieu, hein, merci beaucoup. Il y a un petit qui est coincé là-dedans. La carte, appuie sur Y. Tu peux sélectionner le drapeau, relais que tu as activé, tu te portais un... Ah, c'est les lunes ça? Attends, y'a autant de lunes! Un! Un! Ah ouais, putain, ils ont pété un câble. Hein. Ah, pas nian. Merci beaucoup pour le flow béni Maru. Ah mais du coup ça ce poteau électrique je peux... Bon j'ai raté, c'est pas grave. Bon allons voir la suite. De base il y a 999 lunes, oui il y en a pas mal. Putain mais ils ont pété un câble hein, 999 lunes. Ils ont pété un câble. J'ai pas encore vu les roches, comment ça les roches? Oh la musique incroyable. En lune unique avec des épreuves, ok. Où est-ce qu'il y a 999 lunes? Donne des crottes de lune comme les Korogu. Bah, vraie question, qu'est-ce qui est le plus dur? Les Korogu
Les Korogu ou... J'ai même pas regardé. J'ai même pas regardé. Les Korogu ou les lunes, c'est quoi le plus dur? Les Korogu, c'est plus chiant? Ça, j'avais vu par contre. Les Korogu, ok. Ah bah j'imagine que... Oh, attends, mais on peut vraiment se transformer en tour, en fait, c'est trop stylé. Je suis vraiment trop con. On peut vraiment... Il y a une lune là-bas, j'ai vu. On peut se transformer en tout, c'est ouf. Mais putain, Romain, t'es... Vous avez vu le niveau du gars ou pas? Est-ce que vous avez vu le niveau du type? Ah, c'est comme avec le dino, je peux accélérer, ok. Vous avez vu le niveau du type ou pas? Ah, peut-être faut casser les carrés, là. Avec les billes. Ça donne des pièces. La perroquet qui donne des indices sur les lunes, ok. Même ma sœur est meilleure. Parce que ta sœur est super forte. Ça, je suis vraiment nul. Je vais finir le jeu à 100%. Pour l'instant, je suis en découverte. A plus qu'il y a. Je découvre, je profite du jeu. Je vais prendre la lune après. Hein. Ah, mais il y a une lune là-dedans aussi. Ouais. Salut Pruno, comment tu vas? Les Korogu, c'est certes chiant, mais au moins, ça a une véritable utilité pour la partie des lunes. Il y en a juste une chier. Bah, c'est quand même utile d'avoir des lunes, non? Je pense que c'est utile d'avoir des lunes. OMG le joueur! OMG le joueur! Merde, merde, non. Salut Foxy! Oh, Foxy, tu me fais penser à quelque chose. Oh non, il y a de nouveau ça. Si je pose la question, je sais que vous allez la comprendre dans le mauvais sens exprès. Je dois mettre où le gland? Au début, ça vaut la peine ou pas? A plus ciel! Une réponse. Non, mais en vrai, ça paraissait logique, mais ça me faisait chier de retourner jusqu'à la ville. Faut laisser découvrir, vous avez raison. Faut me laisser découvrir. Faut pas que je pose des questions. Ah, et du coup, faudrait que j'aie les trois, je pense. Mais oui, ça pousse. Regardez, ça pousse. C'est détective, comment tu vas? Ça pousse. Ok. Citez-moi une chose sur Terre entière qui est plus satisfaisante que de faire pousser des plantes. C'est t'es pas capable, comment tu vas? Rien n'est plus satisfaisant, je vous promets. Manger, ok, manger c'est plus satisfaisant, t'as raison. Manger c'est plus satisfaisant, t'as tellement raison. Prendre un bon bain chaud en hiver. Ah mais y'a un truc là-bas. Oh, y'a un monstre carrément. Vous préférez manger ou boire? Bah manger, c'est l'île des gardes. Manger c'est tellement plus agréable. Dites-moi que vous... Dites-moi que vous, c'est manger pour... C'est pour vous. Aïe. Dites-moi c'est manger pour vous, non? Manger c'est la vie, exactement. Torturer les Korogu. Ah mais y'a un truc là-bas aussi. Ah bah j'ai... Oh putain, j'ai pas fait exprès. Ça va où ça? Est-ce que... Merde. Merde, je suis con, putain. Ok, nouveau monde comme ça. Les gens ils ont trouvé un glitch qui permet de sauter à l'infini avec des glands. Ok. Il y a des fuites, tu fais juste le jeu tranquille. Pour l'instant tranquille, mais on va essayer de faire le 100% je pense. Ok. Le pire c'est que c'est vrai de quoi. Il y a une étoile là. Enfin, il y a une lune. Putain, je suis... Pourquoi ils ont appelé ça lune et pas étoile? Ça, je comprends pas. Ça se speedrun ou pas? Le jeu, je pense, oui, clairement. Pourquoi ils ont appelé ça lune et pas étoile? Je comprends pas ça. Pourquoi on voit plus le chat sur son écran? J'ai pas mis quand il y a la Switch.
Parce que ce sont des lunes, je pense. Bah, les étoiles, c'est plus stylé, non? Ça a toujours été étoile. Ah, mais je peux casser ça. Ah, tu peux sauter à la fin avec les glands. C'est pas dans la vraie vie, Aram. Pas dans la vraie vie. C'est toujours étoile, c'est nul. Bah, je trouve que étoile, c'est cool en fait. Ah. Je sais pas, moi je trouve cool étoile. Moi je fais sauter à l'infini. Ah bah, tu m'étonnes que tu fais sauter à l'infini, ouais. Sur le serveur Discord aussi, ça saute à l'infini avec les glands qu'il y a dessus, hein. Ah, il y a des pièces là-bas. Il y a des pièces là-bas. Attendez, comment je fais? Comment je fais? Tire. Tire. T'as jamais joué à Odyssey, non? Attendez, comment je fais? Putain, je suis trop con. Comment je fais pour les casser ça d'ailleurs? Ah, ok. Bon. Ah oui, après avoir chez Darouk. Eh, je pense qu'une fois on fera les élections de qui est le plus gros gland du Discord. Ça vous dit ou pas? Élection Mister, Miss et Mister Discord Discord. Miss et Mister Gland Discord. Je suis vraiment très mauvais, hein. Aram sera le premier. Ah, Aram il est bien placé, ouais. Aram est très bien placé. Je crois que j'ai rien oublié, hein. Pourquoi le niveau? Ouais, j'aime beaucoup qu'ils aient mis des trucs de dés comme ça. Mais ça va, je suis rapide sur les lunes là, non? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un d'aussi rapide que moi? Je pense pas, non. Je pense que je suis l'homme le plus rapide sur ce jeu. Ah, il y a des éclats de lune, ok. Du coup, t'es le roi des glands. Peut-être même du monde, à mon avis, je pense, hein, mais voilà, je... Évidemment, rien n'est certain. Je pense que là... Ok. Je pense que là, je suis en record du monde, là. Je sais pas ce que vous en pensez. Oula, 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 oula. Ok. On tient quelque chose... On tient le bon bout, je pense, hein. Vraiment, on tient le bon bout. Pas une lune là, y'a pas de lune, ok. Ah mais attends. Ok. Imaginez je te prends le record du monde à part ça. Est-ce que vous seriez pas trop impressionné si j'ai le record du monde une fois? Est-ce que vous seriez pas... Ça serait pas fou que j'ai le record du monde? Oula 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 oula. De Genève, peut-être vous me sous-estimez trop par ça. Vous êtes trop dans la sous-estimation de ma personne. Enfin, j'ai rien oublié. Il est méchant lui. Oh. D'accord, ok, ça permet de voir les trucs invisibles. Ok. Alors encore du monde, je demande si t'es passé sous le bureau de qui perso. Mais comment ça, je suis passé sous un bureau? Est-ce qu'il y a d'autres de faire du speedrun sur ce jeu? Bah je pense pas parce que... Je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup je peux y aller comme ça, ok. Je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est plus intéressant de commencer à speedrunner Mario Wonder quand il sort, non? Vous trouvez pas? Il faut aller sur le poteau. Je pense Mario Wonder ça va être plus sympa à speedrunner. J'aime pas, et je sais même pas ce que je suis, hein. Qu'est-ce que je suis là, putain? Qu'est-ce que je suis? Salut Xavier! C'était sûr.
comment. M'appelle loupa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 p
J'aime pas que tu pouvais te faire bully par un mouton, vraiment, elle me l'a fait découvrir. Vous savez quoi, moi je savais même pas qu'on pouvait avoir moins de 52 QI, bah Aram l'a fait découvrir. Bang. Bang. Bien joué ça. Non, mais bien Berger, sinon je trouve que tu pourrais être un joueur de tennis. Pourquoi je pourrais être un joueur de tennis? Tu dis ça juste parce que je suis suisse. D'accord, les pièces violettes elles sont quand même comptées là. Les pièces violettes elles sont quand même comptabilisées là. Je pense hein, ouais. J'ai raté quelque chose, non? Est-ce que j'ai raté quelque chose ou pas? Tu passes au-dessus? Au-dessus. T'as loupé un truc? Vas-y, je me laisse remourir. Vas-y, j'ai loupé un truc. On dirait, mais je pense que j'ai loupé un truc, je pense que vous avez raison. Il a loupé la lune? Bah non, je... Merci beaucoup, Boflo. Oui, oui. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, merci beaucoup, Boflo. Maximir. On avait un truc sur la gauche, là. Il y a effectivement quelque chose sur la gauche, là. Observation. Réaction. Ah, c'est Boflo Palatique. La zone noire, tu peux passer au-dessus. J'ai failli rater. Non, qu'est-ce que je dis? J'ai pas failli me rater. C'est quoi le but du live? Alors aujourd'hui, on essaie de battre un record du monde qui est celui de la plus grande baguette de pain faite en live. Et là, du coup, en fait, tous les gens dans le chat, c'est des boulangers. Voilà, c'est un live de boulanger, faut le savoir. Merci beaucoup, Foxy. Et bah tous ensemble du coup on essaye de faire de pétrir un peu de farine, ce genre de choses quoi. Et pour l'instant on est pas mal à part ça. On a vraiment fait la première miche de pain est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, on est vraiment bien. Je sais pas casser ça. Il y a le feu à la cuisine, bon alors faites un petit peu attention s'il vous plaît. Pense à 1. Attends, Mathieu est pas boulanger. Mathieu est pas boulanger. Mathieu, tu n'es pas boulanger et tu oses venir sur ce live de record du monde baguette de pain. Mathieu, la sentence pour toi sera terrible. Ok Mathieu, t'es pardonné. Mathieu, t'es pardonné, c'est bon. Mathieu, t'es pardonné. Merci beaucoup Flo Mario. Mathieu, tu es pardonné. Salut Carapousseau. Comment je casse ça? Je suis tombé. Comment je casse ça? Vous avez vu vous? Il y a autre chose là? Non. Je me rappelle le record du monde là, moi je suis à 28 minutes. À 28 mètres? Ouais, on est dans ces eaux là, on est bien là. Enfin ça, il doit y avoir des records tellement cons en vrai à part ça. Certains records du monde ils sont tellement stupides, genre. J'avais vu le truc, c'était genre record du monde de canette ouverte avec les seins le plus rapide. Oh, mais il y a une étoile là.
Ouvre-toi. Mais... Quoi, qu'il y a des maisons extrêmes, c'est 660p, c'est pas le cas. Je reviens plus souvent, bah oui. T'as regardé le record de quoi? Vas-y, je vais aller dans la pyramide, je pense. Peut-être que ça débloque un truc, la pyramide, on va aller voir. Alors déjà, merci beaucoup pour le flow. Rasei! Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien moi un peu car il y a deux jours de sage mi sways fait opérer pour un kist au coccyx du coup pendant de moi chez moi voilà comment avoir un été pourri. Tu peux plus bouger! Mais non, le... Oh, on va eu de la force! Tu peux plus bouger de l'été, Lusosan! Oh, oh non! Et les moutons, j'irai après. Mais je pense que ça débloque des trucs la pyramide, donc je vais faire la pyramide d'abord. Mais non, Lusosan, je suis désolé. Oh, on va eu de l'amour, hein, parce que là. Et toutes les personnes qui se cassent des trucs pendant l'été ou autre et qui peuvent pas sortir, je suis désolé pour vous. Hein. You scapy on the top of the cactus? Non, non, mais don't tell me! Don't tell me! Don't tell me, Mario! I don't want to help. I want to... I myself, it's very nice, but I don't need help. Thank you, Mario. Okay, so now I know. Oh non, il peut mater tes lives sans problème. Ouais, mais... Oh, mais quand même, l'été, t'as quand même envie de pouvoir profiter un petit peu du soleil, l'été, non? Un petit peu, un minimum. Sorry, it's fine, Mario, don't worry. Just, yeah, I don't want any backseat. Unless I ask. Salut, Cipher, ça va bien, toi? Hope you're having fun, though. Yeah, very... Well, I'm discovering the game, but yeah, the game is quite fun. Yeah. Hop là. Je sais pas pourquoi je vais le tuer, absolument. Profiter du soleil, j'ai bougé, oui. Vous savez, vous avez été là hier, quand je me suis fait tatouer ou pas? Vous savez ce qu'il m'a dit, le tatoueur? Ah, j'étais sûr qu'il y a un truc là. Red Arouk. Ça fait combien de jeux Mario à 100%? J'en ai fait pas mal maintenant. Hein. En gros, le tatoueur bah, me tatoue. Et à la fin, il me dit ah, si jamais faut, pendant 3 semaines, il faut pas mettre dans de l'eau stagnante et il faut pas mettre au soleil. Je dis ok, puis il fait bon, de toute façon, toi, j'ai pas l'impression que tu prends beaucoup le soleil. Comment ça? Comment ça? C'est pas très gentil. Y'a pas un truc là-bas? Y'a clairement des trucs là-bas. En même temps, c'est tout pâle. Mais comment ça, je suis pas pâle, ok? Je suis pas pâle. T'as réussi Zelda sans mourir? Sur Breath of the Wild, on avait réussi là. Je vais refaire sur The Kingdom. On va commencer la semaine prochaine. Y'a une lune cachée ici. Je vais aller voir en bas. Comment ça, mon tatou ref? Ça me ramène là. Comment ça va? Attends, j'ai une nouvelle question sur ton matos. T'as cabine 4K USB ou la carte d'acquisition 4K 60 Pro? Je sais plus. Je ne sais plus. Désolé. Prends pour Musan, comment ça? Je vais faire ça, c'est toujours cool d'avoir des cœurs en plus. Ah mais Elix, Elix, donne pas trop d'infos, s'il te plaît, Elix, 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 Elix. À moins que je pose la question, s'il vous plaît, ne donnez pas les infos. S'il vous plaît. Ouais, il s'est pris 10 minutes, ouais, bah, Elix, vraiment, j'ai demandé. Si je pose la question, il n'y a pas de soucis, mais... Donnez pas les infos, s'il vous plaît. Wouh! Et ça marche pas. Il y a moyen de faire un domino, je sais pas. Bienvenue dans le club des peaux blanches, encore beaucoup trop discriminé en été. En plus, on doit faire super attention et dépenser masse de thunes dans les crèmes solaires. S'il vous plaît, pas de blis sur les peaux blanches. Ouais, mais moi, peu importe la saison, de toute façon, on me dit que je suis pâle et qu'il faut que je sorte. Donc bon, voilà. Hein. Je me suis habitué maintenant. Attends, mais c'était une lune là-bas, non? Il y a clairement une lune là.
Je vais allumer le ventilo après parce que j'ai quand même très chaud là. Ah, mais j'ai récupéré presque toutes les lunes en vrai là, non? Et il manque que 3 lunes dans le monde. Oh, let's go. Tu sais qu'à la fin du jeu, bah Sonic il arrivait dans le dernier monde et tu devais réunir les 7 émeraudes de chaos pour l'aider. Putain, ok, trop stylé. Il y en a plus, oui, j'ai compris qu'il y en avait plus après. Chez la bague d'union, les minus. Ah, fallait se lever tôt, le boss est déjà passé! Ah, tu préfères qui entre Jet, Bébé Luma et Capi? Bébé Luma. Ça sert à rien d'obstiner, vous êtes toujours pas invité au mariage! Il manque 3 lunes pour partir de ce monde. Ah! Merde. Ok. Aïe. Ah, c'est une plus grosse bouboule. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ok, j'ai réussi apparemment. Ok, j'ai réussi, je sais pas comment. J'ai pas compris ce que je vais exactement faire contre elle, mais c'est pas grave. Et je t'explique, non. Ça marche pas si je la renvoie sur elle. Ok, j'ai compris. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. C'est Léo. Ouais, je suis pas si con que ça. Ouais, je suis pas si con que ça. Et c'est juste bien visé, ouais. Ouais. Comment il va, Léo? Tout le jeu à la fin, et comment jouer l'histoire, tu profites pas du tout du jeu. Je suis chaud à S84, je suis très chaud. Merci beaucoup pour Lines, bienvenue toi Lines. Je viens de faire une étoile satanique, vous savez ce que ça veut dire? Je sais pas. C'est bon, tu peux passer à un autre monde si tu veux. Alors d'abord, je vais passer aux toilettes. Et je vais allumer le ventilateur. Et Netri Alex va vous faire une blague sur les chapeaux. J'arrive. J'arrive.
Et En fait, pourquoi on rigole? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Peut-être qu'il y a rien de marrant. Cette fiche brutale nous a un peu ralenti, mais rien de bien grave. On continue à gorger les lunes. Bon, Mathieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La pyramide inversée flotte dans les airs et il fait encore plus froid qu'avant. Tu crois que c'est cette crapule de Bowser qui est derrière tout ça? Quel castoc! Trop bien la cinématique, il y a vraiment une cinématique lors d'un contrôle routier, un policier. Arrête une blonde pour un excès de vitesse. Madame, vous avez dépassé les 50? Non, c'est le chapeau. C'est le chapeau, ça me vieillit. Hein? Quoi? Mais pourquoi je comprends pas tes blagues, Alex? Non, je vais me téléporter en fait. Pourquoi je comprends pas tes blagues, Alex? La vitesse, l'âge. Je sais là, pas comprendre là. Faites pas genre vous comprenez. Faites pas genre vous comprenez. Vous faites semblant juste parce que c'est Alex. Le chapeau a fait vieillir la dame. Mais pourquoi le chapeau ferait vieillir la dame? C'est pas logique. Dans un monde normal, un chapeau fait pas vieillir. C'est pour Flonois. Si je mets un chapeau, je viens pas plus vieux. Ma soeur vient de m'offrir le chapeau de paille de Luffy. Ouh, c'est stylé ça. La femme a dépassé les 50 km/h, mais comme elle porte un chapeau, elle dit qu'elle a moins de 50 ans. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un chapeau, ça a jamais fait ça à part ça. Hein. Je disais, mais si vous faites une blague, faut au moins que la blague soit logique. Comme par exemple, je vous donne un exemple de blague logique. Vous savez, récemment, j'ai commencé un régime. Je me limite à manger un dromadaire par semaine. Un dromadaire par semaine. Un seul. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est mon régime? Ok, bah super. Je vois que vous avez pas envie de m'écouter, bah c'est super. C'est vraiment super. Oh, regardez, je suis tout grand. OMG. OMG, I'm so big. Look at this. Wouhou. Attends, mais c'est super dur ce que j'ai à faire là. Merci beaucoup pour les 100 bits. Merci beaucoup, Alex. Poor Tachiter unsens de la humor kappa. Non, j'ai tout cassé. Non, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Salut Jess. Non, j'ai tout cassé. Ah, mais il y en a là-haut, putain, non. Attendez. Attendez. Tu suis les instructions des fois? Mais il n'y avait pas d'instructions. Il faut que je refasse le niveau. Dois-je refaire le niveau? Je pense que je vais refaire le niveau, ok. C'est pas grave. À moins que j'arrive à tout ça les additionner. Non, c'est qu'il n'y en a pas d'autres là. Non, t'es pas obligé de refaire le niveau? Pas obligé? Vous êtes sûr? Ah mais oui, ça réapparaît. Ok. D'accord, ils réapparaissent, ok. Moi je te blesse, bon on avance. Mais merde, arrêtez de crever aussi! Mais non, mais... C'est comme elle pour faire un super saut, mais je peux pas faire un super saut. Ils vont réapparaître ou pas? Est-ce qu'ils réapparaissent? Et parce que je peux pas secouer la manette. J'arrive pas à secouer la manette, impossible. J'ai pas une manette qui... Non mais, bon, et vous savez quoi? Je saute dans le vide et on refait ce niveau. Alors, moi, Odyssée, c'est de la merde! C'est de la merde! Plus je commence à avoir faim, voilà. Je commence à avoir faim maintenant. Comment ça? Non, bah si, ça va. Non, ils réapparaissent pas. Et vous me donnez tous des infos contraires. Hein. Mange quelque chose. Du coup, si je prends lui, ça peut être bien de prendre lui là.
Ça peut être important de prendre lui là. Et pourquoi il descend ce débile? Ok. Donc là c'est bon. Ah, faut que j'aille prendre ceux là-bas, ok. Voyez, on y arrive quand vous m'insultez pas. Mange ton piment, je vais pas manger mon piment. Merde. Voilà. Voilà. Ouais, de temps en temps, j'arrive à réfléchir un petit peu quand même. Putain, je suis grand, hein. Encore 3 combats, bah je crois que c'est bon là. Salut Happy. Ouais, si j'active pas les dingues, c'était quand même facile. Hein. J'imagine que pour aller chercher les pièces, il me faut de nouveau ça. Hop là. Look at this, this is gonna be a masterclass. Boum. Masterclass, non? Is that not a masterclass? Allez, boum. Juste aller tout droit. Sache qu'avec les Goombas, tu ne glisses plus. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué. C'est vrai. Ok. Ok. Pourquoi il a un... Ah, il a un chapeau. Ok. This is a great, great masterclass. Ah, mais ça va, je m'en sors à part ça, non? Ça va, ok, je fais un petit peu des fails, mais ça va, non? Là, je traverse les poteaux et on est bon après. Et après on est... Bah voilà! Hop là! Je sais pas si j'ai tout eu, j'espère. On espère. Y'a Bouddha. Oui, t'as bien avancé. Franchement, ça va. Franchement, j'ai l'impression d'avancer. À vous écouter, pas toujours. C'est l'heure de quoi, Extreme Boy? Duel? Ah mais attendez, mais c'est pas le même boss que dans Mario 64? C'est pas le même boss que dans Mario 64? Je pense qu'il faut que je tape dans le... Salut Poupiou. C'est pas ça que je dois faire, ok. Je crois que j'ai compris. Est-ce que je vais le faire taper là-dedans? Ok. OMG, c'est incroyable! Mais non! BAM! Il est pas dans Mario Kart? Je sais pas. C'était incroyable! Attends, c'est vraiment stylé par contre, hein. Wow. Tranquille, tranquille. Roman le boxeur. Vas-y, viens, 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 viens. Mais là, ça a pas gelé. Mais là, ça... Ah si, ça gèle, je suis con. Ok. Esquive! Esquive de la loutre! Esquive de la loutre! BAM! C'est comme ta récompense punch me. Putain, en fait, c'est ce que vous me faites subir, je le fais subir à lui là. J'avoue que le boss fight est vraiment stylé. J'avoue que le boss fight est vraiment très cool. This is the grey de Masterclass, hein. Vas-y, tape là, tape, 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 tape. Oh non, pas ça. Non, note 10, aïe. Hop là, pour se prendre un coup avant qu'il en mette un. Histoire d'être bien. Ok. C'est mon propre punch me, c'est ça à voir ça, hein. Je comprends ce que... Vous comprenez ce que je ressens maintenant. BAM! C'était lui qui rendait froid le royaume?
et qu'attaque ses boss. Non, franchement, il était cool celui-là. Il était vraiment stylé à part ça. Non, j'ai bien kiffé, j'ai apprécié. J'ai apprécié le boss. Okay. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas le jeu. Hypercute du boxeur suisse qui gagne par KO. C'est moi. C'est bien moi. Non, je disais, je commence à avoir un petit peu faim là. Je commence peut-être à prendre une petite banane après. Les prochains royaumes vont être banger selon moi. Runyanas, mais est-ce que je change de royaume ou est-ce que je finis pas les derniers... Là, il restait les moutons à faire. Les moutons ? Je sais pas, les moutons, ça vaut pas la peine de faire les moutons ? Les moutons ! Rappelez-vous, je suis berger. Genre ça, c'est quoi ça ? C'est cool Mario Odyssey, franchement le jeu est vraiment sympa ouais. Apparemment quand on sub on est irrésistible, totalement à la 84. C'est tout à fait vrai. Voilà. C'est pas pour vous influencer évidemment hein, mais... Quand vous subez vous êtes irrésistible. Ok. Il y a les pièces déjà qui sont là. Merci beaucoup pour le follow Alex la patata. Et mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut supprimer le RS 84 qui s'en prend son premier mois d'abonnement sur la chaîne. Merci beaucoup. Ah je suis plus moche, mais t'as jamais été moche hein. C'est pas ça que ça veut dire, RS84. C'est comme ça qu'on les prend, putain, what the fuck. Merci encore pour le sub, c'est gentil. J'ai jamais joué à Super Mario Odyssey, non. Je suis en découverte. Hop là. Quelqu'un a besoin de se sentir beau. Oh, ça c'est une pièce aussi. Enfin, une étoile. Il y a un... Attends, l'oiseau. L'oiseau. Come here. Let's go. La beauté n'est que subjective, ne l'oubliez pas. Ça, c'est bien vrai, Aram, à part ça. Putain, Aram qui troll pas, c'est fou. Aram qui est pas en train de troller. Incroyable. Ok, un truc là-bas aussi. Je peux aller maintenant. Attends, je vais faire. Je vois la fenêtre. Non. Oh, mais what? This is the great masterclass, no? This is the great masterclass. This is the great masterclass. Ah mais je peux grimper comme ça putain. Ok. D'accord. J'ai pris l'oiseau si facilement, j'ai galéré. Bah j'ai eu de la chance qu'il soit là en vrai. Prends ça dessus, tu vas voir, c'est drôle, je prends après. Ça c'est quoi? C'est aussi une lune ça? En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, il y a presque trop de lune en vrai. Il y a presque trop de lune là, non? Il y a un petit peu trop de lune, j'ai l'impression quand même, ça... Il y en a pas mal, quoi. Je pense satisfaisant ce jeu, en fait, ouais. C'est moi qui galérais quand je découvrais le jeu. Bah là, je sais pas, là, c'était logique, les lunes. Il y en a une là-bas aussi, au fond, je viens d'avoir. On voit pas le nombre de lunes max? Bah, on le sait, quoi. Je peux rien faire avec ça? Un oiseau. J'ai pas du tout exagéré par contre. Hein. J'ai pas du tout exagéré. Ah, ok. Il est pas net votre streamer, c'est vous qui êtes pas net. Salut Poupou! Mais. Mais comment ça? Mais comment ça? C'est pas possible ce qui vient de se passer là! Ton éternuement l'a fait fuir.
Merci, s'il vous plaît. Il est parti à la boulangerie, l'oiseau. La boulangerie. À la boulangerie. Attendez, parce que là, il y a l'oiseau. Vas-y, viens par là, mon coco. Viens par là, mon coco. Viens, 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 viens. Avec un qui tue. Oui, bah voilà, pas de la qui tue. Ouais. Pourquoi je dois reprendre la lune? Attendez, je comprends pas. Pourquoi je dois récupérer la lune de l'oiseau là? Attends, mais je viens de voir aussi en fait les trucs à récupérer sur les îles là. Oui, c'est une technique speedrun à part ça, vous rendez pas compte, c'est une technique speedrun. C'est une technique speedrun. Hein. Merci beaucoup pour le pouyoui. Tu l'as déjà? Ok, ok. Par contre, il faut que je récupère ça. Si. Je vous dis que je me suis trompé de touche et qu'à la place d'appuyer sur saut, j'ai appuyé sur attaque. Vous en pensez quoi? Prends un Lakitu, mais j'ai pas besoin d'un Lakitu, c'est le saut, il est facile à faire. J'en pense fort. Est-ce que vous en pensez quoi, Koubé? Il est pas assez haut en fait. Si je rate maintenant, j'offre 100 000 subs sur la chaîne. Ok? Vous êtes prêts? Ah mais il y a des trucs là-haut aussi. Bon, j'ai réussi. Ça compte, je m'en bats les couilles, j'ai récupéré, je m'en bats les couilles, ça compte. Ça compte, j'ai clairement récupéré. Non, j'ai récupéré les pièces violettes. Est-ce que j'ai les pièces violettes ou j'ai pas les pièces violettes? Je les ai. Voilà. J'ai acheté des Lego, ça marche. Si vous voulez, on peut faire un kit double. Est-ce que ce serait pas avec la bille peut-être qu'il faut que je monte là-haut? Je sais pas. On peut faire un kit double si vous voulez. Vous voulez faire un kit double? Oh, il y a madame. Non, j'ai dit si je me rate. Kit double. Si j'arrive à récupérer toutes les pièces ici, c'est kit. Si j'arrive pas, c'est double. Ok, c'est bon. C'est bon. Je vais faire avec elle. Attends, il y a un truc là-bas à récupérer tout ce bout là. Comment je vais là-bas? Même ma grand-mère peut attraper les pièces. Oh, mais attends, mais il y a un truc là aussi. Il faut péter la cage. Comment ça escroc? Bam. Et une de plus. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses? Ah là, il y a... On était là-bas. C'est dur en plus, j'ai pas réussi. Franchement, ces pièces, on se rend pas compte quand on regarde, mais elles sont super dures à prendre. Ok, ça, je pense là-dessus. J'ai déjà été... Donc attendez, il nous reste Madame Goomba qui est là, je sais pas ce que je dois faire avec elle, et il y a le truc là-bas. Mais comment elle est là-bas? Comment ça, arnaqueur? Et il y a ce truc là-haut aussi, surtout. Ah, peut-être depuis là-haut. Peut-être depuis là-haut. Je peux pas me TP là-haut, merde. La fois que je joue là-haut, ici, c'est oui. Il y a le truc encore plus haut, là. Si tu veux un endroit secret avant 15h, c'est kit. Sinon, c'est double, c'est dans la pyramide.
Y a des endroits secrets dans la pyramide. Y'a quelque chose? Non. Je sais pas comment je monte sur ça et sur ça là-haut. Spécial quand même, non? Ok. Bonne chance, merci. On va faire un peu le tour pour regarder. Et là j'ai déjà pas mal de lune dans ce niveau là, non? Comment on voit déjà? Et franchement j'ai déjà pas mal de lune, non? Franchement je trouve que t'as une bonne forme aujourd'hui, c'est vraiment cool, merci beaucoup. Merci. Quelque chose avec ça? Faire 100%? Ouais, c'est le but. Ah oui, ok. C'est déjà major, toi et le couvre-chef qui t'accompagne. As-tu des réponses car j'ai des questions? Que cherche le cupide monstre sur nos terres millénaires? Une bague? Faut que le porteur de bonne réponse avance car le passage t'est ouvert. OMG. OMG là tu... j'adore ça. Donnez-moi la moulaga. Donnez-moi la moulaga. Oh, oh. La moulaga. Donnez-moi la moulaga. Donnez-moi la moulaga. Yeah. C'est ce que Alex va faire pendant le tour à Mario Kart parce que je vais jamais terminer plus que top 6. Let's go. Quel chanteur, merci Vibo. Merci. N'oubliez pas que j'ai fait une cover hein. Les pièces là-bas, je viens de voir. Il y a une étoile ici. Une lune, pardon. Je crois que tu as dit. Ah, il y a un mouton aussi. Oh, j'ai fait virer le bouton, merde. Mario, enfant du soleil. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Cherche ton chemin. Mon top le plus élevé, c'est top 4 au tournoi. Bah écoute, j'espère que tu vas faire mieux aujourd'hui. On verra bien. On va prendre ça. Ah oui, il y a ça. Attends, du coup, il m'a expliqué avant. Franchement. Attends, je comprends pas ça. Mais... ouais, je vais pas courir dessus, c'est bon. Attends, je vais pas courir dessus. On va essayer d'aller ramener le mouton. Il y a un trou là, peut-être. Est-ce qu'on va dans le trou ou pas? Peut-être qu'on va aller dans le trou, juste aller ramener le mouton d'abord. Non, j'ai pas que j'aboie, ok. Le mouton. On t'a raconté des mensonges. Qui m'a raconté les mensonges? C'est Simcraft. Il y a le troisième qui est là, parfait. Let's go. Constant transport, ok. Mais le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis. Cherche ton chemin. J'ai lancé le mouton trop loin. Aïe. Allez mouton. Allez. Allez mouton. Parfait. Faut faire cuire le mouton. Mais vous savez que c'est super bon le mouton à part ça hein. Désolé pour les végétariens mais j'adore le mouton. Et ça fait longtemps que j'avais pas mangé. J'adore l'agneau aussi. Putain des côtelettes d'agneau ça fait longtemps. Ouh des petites côtelettes d'agneau là ça me... Du lapin, lapin. Je me rappelle pas pouvoir manger du lapin. Oh. Mais. Attendez, ça j'ai déjà fait non? Ça j'ai déjà fait tout ça. Lapin tellement bon aussi. Ouais, je sais pas. Oui, c'est oui. A plus Foxy. Oui, j'ai déjà fait ça, c'est bon hein. J'aimerais aller voir dans le trou ce qu'il y a là-bas. Lapin, moutarde, vin blanc. Oh, ça y est, on commence à parler de bouffe. On est parti là-dedans. Vous voulez commencer à parler de bouffe, c'est ça? Ah. Ah.
parle de pain. Ah oui, c'est vrai qu'on est. J'ai oublié qu'on est en train de battre le record du monde de boulangerie. D'accord, ça fait juste ça. Et est-ce que si j'utilise. Oh, mais il y a encore un truc là. Parce que c'est celui que je viens de voir. En fait, il y a tellement de lune, je sais plus où donner de la tête quoi. Ok, ouais, d'accord. Il y a tellement de lune, je sais plus où donner de la tête. Bon, je vais remonter pour aller prendre le checkpoint que j'avais pas pris avant, effectivement. Ça me permettra d'avoir accès à d'autres lunes en plus. Roll map tout. Est-ce qu'il y en a qui s'entraînent un petit peu pour le tournoi Mario Kart là? Est-ce qu'il y en a 2-3 qui se sentent chaud pour le tournoi Mario Kart? Non, comment ça non, Jess? Comment ça non? J'y vais au talent, ok. Alors ce Mario, il est vraiment cool, c'est vraiment très chouette. Non, je suis nul, je vise top 12. Alors top 12 du tournoi, c'est bien. C'est très bien même. J'adore ta nouvelle coupe, merci, c'est gentil. Et je peux pas m'accroupir. Plus que 5 minutes, pourquoi Léo? C'est... Non, c'est dans... Non, c'est à 16h Léo, à 16h. À 16h Léo. Les trucs dessus, il y a toujours deux lunes. Il y a toujours deux lunes dans les trucs dessus. En fait, les pièces, ça remet pas la vie, j'ai pas vu. C'est dire qu'il y a une autre lune là? Si je vais récupérer celle qui est là. Et du coup, il y en a une autre. Il y a vraiment une autre lune dans ce tuyau? 15h15 si tu veux. Mais non, c'est 16, c'est, ça a toujours été 16h Léo. Ah mais attends, peut-être là-haut en fait. Ok, déjà ça c'est pas mal ça. Tu fais le tour de ponce toi? Très rarement. Attends. Où est-ce que ça pourrait être? J'ai commencé Mario 17 la semaine dernière, j'ai trop kiffé, je suis bientôt à la fin. Bien joué, bravo. Où est-ce qu'elle pourrait être cette deuxième étoile du coup? Enfin cette deuxième lune. Du coup, demain, le tournoi est à 15h. Le tournoi, je pense, c'est à 15h, le mien, non? Non, dommage que j'ai pas la Switch. Bonne console en plus, hein. Je comprends pas. Et je veux bien un petit peu d'aide, peut-être, pour cette lune, parce que je galère là. Je veux bien un petit peu d'aide. Salle d'avant, ok. Dans la salle d'avant, ok. Dans la salle d'avant. Celle-là, j'ai déjà eu, hein. Je rappelle, celle-ci, j'ai déjà eu. Là, j'ai déjà eu. Mais est-ce qu'il y en a une plus loin encore? Non. C'est pas être où? Vous la voyez, vous, la lune, là? Mais vous êtes pas en train de me mentir, s'il vous plaît. Vous êtes pas en train de me mentir. Tu étais dans la bonne salle. Ok, j'ai peut-être une idée. Salut Jape Jungle. Putain, mais qu'est-ce que... Rosenoubi. Alors, on va trouver. On va trouver. Là, c'était pas derrière ça, hein. Non, c'était pas derrière ça. Salut Tachi, salut Nineboard, comment ça va? Coucou à vous, coucou. Est-ce que je peux suivre les poteaux par hasard? Attendez. Je suis en train de me dire un truc là.
Oh putain, d'accord, ah ouais. Oh la tunasse. Oh la tunasse. La tunasse, la tunasse. La tunasse, t'as pris du temps, comment ça j'ai pris du temps? C'est ça du coup, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut là. J'ai tout ce qu'il faut dans cette pyramide. Et j'ai pas eu tant de temps que ça, ça va, abusez pas. Comment ça papy Romain, ça y est. Oh, est-ce que vous avez vu récemment là, il y a un mec avec des IA qui fait chanter les youtubeurs. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Est-ce que vous avez vu cette dinguerie? Non, pas vu, c'est hallucinant. Étoile qui chante Diamond, je crois. Enfin, c'est hallucinant. Ça passe partout sur TikTok, c'est. C'est hallucinant. Ah, mais attendez, quoi? Mais. Ma gueule. Mais tu te. Mais. Pourquoi j'ai tout refait? Bon, c'est. Non, c'est un premier récupérer une lune. Ouais, non, mais. Alors, ça, en fait... bon, ça fait un peu peur. Hein. En gros, il y a des IA qui arrivent à recréer. Il y a un truc là. Des IA qui arrivent à. Putain, ça va être dur ça. What? Oh. Mais c'est impossible. C'est impossible. Des IA qui arrivent à recréer la voix des streamers et du coup ils les font chanter genre. Plein de chansons quoi. C'est impossible! Est-ce que c'est possible ça ou pas vraiment? Ah. Il y a un aigle. C'est possible avec la carte kiwi? Mais oui, c'est possible avec la carte kiwi. J'ai tué au passage comme ça, elle change deux, retiens sa télé. Oui, j'ai vu avant, Wally, t'inquiète, 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 t'inquiète. Et là, j'ai vu un autre truc qui m'a aidé, je pense, c'est ça. Avec ça, je peux voler, je pense, non? Ah, B, non, non, non! Putain de. Hey, Little Prince, comment tu vas? Ok, le vol planète est pas terrible. Le vol planète. Le vol plané était pas terrible. Ok, ça me paraît pas mal mieux. Ok, ça me paraît pas mal mieux. Ça a bien été le Prince, merci beaucoup. Voilà. La même vision de truc n'est pas intuitive au début. Ah bah vraiment pas même. Et du coup, je pense que... Peut-être qu'il faut que je reparte en haut du coup. Hop. On repart en haut et on le refait. Il te faut combien de lunes? Bah là je sais pas, c'est juste que je... En vrai, vous voulez que je change le monde ou pas? Et t'es trop bien le live bien. Merci beaucoup Little Prince, c'était trop plaisir. Est-ce que vous voulez que je change le monde? D'avoir toutes les lunes de tous les mondes? Ouais, le but ce serait de faire le 100%, ouais. Non, non. Oui, non. Comme tu veux. Je sais pas s'il me manque beaucoup de lunes en fait ici. C'est la manière de tricher ça? Bah non, j'ai réussi, j'ai réussi. Non, il y a encore des lunes. Ouais, mais après vous m'avez dit qu'il y a des lunes qu'on pouvait trouver que à la fin du jeu. Donc je sais pas. En tout cas, c'est pas mal, on va dire, pour l'instant. Tu veux une autre énigme, passage secret? Là, ça va. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose là-haut, vous pensez, ou pas? Merde, dommage. Il y en a encore deux, je pense. Il y a des lunes que tu trouves qu'à la fin du jeu. Là, j'en ai déjà trouvé pas mal, quand même. Hein. Là, j'ai... Il y a quelque chose qui vient de me titiller là. Il y a quelque chose qui vient de me titiller. Ok, Luca 10. Luca 10. Ok, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Regarde, Fond Barrière, Romain, pas trop, non. Non, pas trop. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé.
Putain, il y a encore un oiseau là-bas. Il y a encore un. Ah, mais attends, mais what? Non! Tu veux un indice? Attendez, non, mais laissez, s'il vous plaît, les amis. Tranquille, tranquille, tranquille. Vous savez ce que je veux? J'aimerais que vous me fassiez rêver. Faites-moi rêver dans le chat. De la manière dont vous voulez, faites-moi rêver. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je suis vraiment trop con. Faites-moi rêver. Raclette, voilà, ça, là vous me faites rêver. Je t'aime, épouse-moi, ouais, ça va. Vive la raclette, putain, vous savez comment me faire rêver, hein. Melon, raclette, villa, pas mal, ouais. Il y a encore un oiseau là, du coup. Vive le piment, ça me fait pas rêver, ça. Ça te ferait... Alex, c'est toi qui rêves là. Ça te fait rêver, toi, moi, moyen. Rosanna, c'est des super maps. Putain, j'avais même pas vu celle-là. Rosanna, c'est des super maps. Il t'a payé combien pour dire ça? Renault 4 litres. Oh, mais attendez! OMG! OMG! Romain qui a la main verte. Putain, si vous saviez. Le nombre de plantes que j'ai essayé de faire pousser chez moi et j'ai jamais réussi, c'est quand même assez triste. Hein. C'est assez triste parce que vraiment, c'est Dragotendo, j'essayais vraiment. Ah, j'enchaînais l'une là. J'essayais et ça... Non. J'ai jamais... Non. J'ai jamais... Non, alors j'ai... Bonjour, en matière de pièces, c'est très simple, il y a les pièces et les pièces. Non, 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 ok. Bonjour. Oh! Oh! Réplique la plus savonne, hein. Même les petits détails comme les reliefs, ça sert à quelque chose, ça? Attends, mais faut que j'achète ça, ok. Du coup, c'est pas satisfaisant si on n'y arrive pas, référence à ce que tu disais tout à l'heure. Par rapport à quoi, du coup? Les costumes, vous voulez que j'achète un costume? Vous voulez que j'achète une costume? Un costume? Ça me semble très approprié, je trouve. Mario Beauf. Mario Taz. Mario Cosplay Taz. C'est un style différent, moi j'aime bien. Attendez, parce qu'il y avait un oiseau qui passait. Et il y a le perroquet, on m'a dit que le perroquet c'est important. L'oiseau, il est passé où? Le seul truc qui sert à rien, ça sert trop à quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches? Moi je sais, Tête de mort du chemin invisible. Tête de mort du chemin invisible. Tête de mort du chemin invisible. Alors attendez, déjà, l'oiseau. L'oiseau, où es-tu? Coco! Le cybercoccinelle, putain, il est bien. Hein. Mais attendez, mais je suis sûr qu'il y avait un oiseau avant, j'ai pas rêvé. Les pièces là-bas, on va les prendre. Une qui reste, fais Y dans la carte, je connais. Ah, dommage, j'aurais pu penser qu'on pouvait le contrôler. Attends, mais c'est un vrai humain, c'est trop bizarre. Je vous conduis au pays des gratte-ciels dès que possible, mais un petit dégivrage ne sera pas trop avant. Un petit dégivrage. Est-ce que je peux faire ça maintenant ou pas? Oh! Sagaz, je suis ce qu'on appelle un Jaxi. Si tu veux que je te balade, va falloir faire. Oh! Attends, quoi? Ah, mais c'est ça, vous me disiez, putain! C'est ça que vous me disiez, d'accord, ok! Et du coup, là, je peux aller dans le truc violet, j'imagine. Rejette un glaçon.
D'accord, ok. Bonne chance pour terminer ce niveau de l'enfer. Ah. On parie que j'arrive du premier coup ou pas? On parie que c'est la first try ou pas? Est-ce qu'on parie que c'est la first try? C'est Mario Kart en valeur. L'oiseau romain, j'ai pas vu. First try, les amis. First try, hein. First try, les amis. First try. Ah, mais c'est pas fini. Ah, mais c'est pas du tout fini, en fait. C'est pas du tout fini. J'ai juste véhicule de Mario Kart, ce serait très marrant en vrai à voir ça. Ah, c'est une ref. Ok, je pensais qu'il fallait que je descende. Je me suis trompé. Ouf, le levap. Ok. 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 J'ai rien oublié, on est d'accord. Et bah alors. Et bah alors. Et c'était pas mal. Avouez que c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Genre ça, ça c'est censé être compliqué normalement. Attendez, ça c'est compliqué normalement. Ça c'est compliqué normalement. Ça c'était chaud normalement. Merci beaucoup Boflo Gaël, bienvenue à toi. Je crois que là-bas je peux retourner parce qu'il y avait un mec qui était coincé dans un cube de glace, peut-être que maintenant c'est bon. On parle autour de MK, c'est rien. Ah, il y a nouveau un Jaxi ici en plus. C'est skillé, merci, merci, merci. Je crois qu'il faut que je remonte là-haut. Là-haut, il y a quelque chose dont j'ai besoin. C'est un skill de malade, ils sont jaloux, exactement. Ok, regardez bien mon skill. Ah, je suis trop con. Je suis trop con. Je peux pas remonter sur ce machin sans devoir refaire le truc à l'intérieur. Je suis tombé. Si tu peux. Ah merde, je pouvais vraiment. Tiens, vous donner des coups de poing. Et vous arrêtez, vous avez déjà donné deux fois des coups de poing aujourd'hui. Les coups de poing, ça suffit, hein. Il y a un moment, faut arrêter les coups de poing. Voilà, 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 c'est ça que je voulais. Ah, et ça montre un chemin invisible. Ça montre un chemin invisible. Hein? Quoi? Ah, putain. Ok, ça, ok, c'est bon, c'est bon. Coucou, jambon, comment tu vas? J'ai plus trop de batterie, comment ils vont les jambons? Bah écoute, ils vont pas trop mal. Dites bonjour à jambon, s'il vous plaît. Dites bonjour à jambon. Bonjour dinde, non pas, pas bonjour dinde, bonjour jambon. Voilà. Bonjour dinde, pas poulet, jambon, c'est pas du poulet, c'est pas de la dinde. Vous savez faire la différence quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites la différence. Parce que là, ça m'amène à quelque part où j'ai pas été encore. Là où j'ai déjà été. Salut bœuf, putain, ça y est. Salut mon bœuf. On a dit jambon, exactement, on a dit jambon. Il y a plus de respect, hein. Ah, mais là-bas, j'ai pas été non plus.
Là-bas, j'ai pas été. Là-bas, je n'ai pas été, mais comment y aller? Passe le tour. Bonjour, Côte de Porc. Vous êtes sérieux? Bonjour, Côte de Porc. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de raconter là? Salut, jambon beurre. Et je suis désolé, jambon. Hein. Je suis désolé. Peut-être qu'elle a plus de batterie et que les derniers messages qu'elle a vus dans le chat, c'est ça. C'est vous qui l'a méprisé, qui l'insultait. Vous vous rendez compte de ça ou pas? Vous réalisez ou pas? Peut-être qu'elle pleure là. Peut-être qu'elle pleure. C'est comme si le Babtouche commençait à l'appeler le Blob. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce qu'il pleurerait pas? J'ai presque tout trouvé à part ça, j'ai l'impression. J'ai presque tout trouvé ici. Hein. Ah, y'a un gland! Y'a un fucking gland, let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go! Voilà! The final gland! The final gland, les amis! The final gland, let's go! Oh putain, jambon! Ça va, jambon? C'était pas trop dur? C'est quoi qu'ils aient fait un objet à ton effigie dans le jeu? J'ai pas réussi à répondre à tout le monde, tu m'étonnes. Tu as eu un gland sur ce stream toi, yes. Merci en tout cas pour les... Merci hein, c'est super. Mais Goobs, ok ok, j'y vais après, tranquille, deux secondes. Tranquille, il y avait un truc là que je voulais tester. C'est ça. Pourquoi personne a rigolé ma blague? Elle était bien non? C'était quoi ta blague? Ok, c'est juste un pont ça. Super. Elle est immense la map en vrai, ouais. Sache Extreme Boy que sur ce stream, tout ce que tu vois est immense. Gigantesque. À part... l'humour de Alex. Merde, ah mais faut pas que je tombe en fait. Ah si, on s'en bat les couilles. Okay. Ok. Faire du Pikmin ou pas? Je pense pas, Pikmin, on sait jamais. C'est un plaisir de voir la famille. Merci de m'avoir amené ici, ça fait chaud au cœur. Et il y avait encore, avec le Jaxi, je peux encore aller faire les cactus là. Hop là. Je pense après le cactus on va changer le monde parce que là j'ai... j'ai fait tellement de trucs dans ce niveau. Ah mais quoi? Ah non, c'est pas comme ça que je fais le cactus. Je pourrais pas faire le cactus avec le Jaxi? Merde, attendez, attendez. L'oiseau, j'ai déjà eu. J'ai déjà eu côté rumeur, j'ai déjà eu. Oui, j'aime beaucoup Odyssey. Le cactus. Le cactus. Et du coup, avant, attendez, avant il y avait un cactus qui était bizarre. Pourquoi avant il y avait un cactus qui était bizarre? Avant il y avait un cactus qui était bizarre, pourquoi? Il est où le cactus bizarre? Il est où le cactus qui était bizarre? Ah voilà voilà voilà, attendez, 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 attendez.
Oui, pas de backseat, s'il vous plaît, tranquille, tranquille, tranquille. Salut Kuro Iwa, comment tu vas? Et l'oiseau, je l'ai déjà eu celui-là, Dazo. Ça sert à rien de me dire l'oiseau, j'ai déjà eu celui-ci. J'ai déjà joué au jeu. Non, non. Mais là, j'avoue que j'avais vu la réponse dans le chat hein, pour quelque chose. C'est quoi backseat? Backseat, c'est donner les infos qu'on a. Justement, on a pas envie d'apprendre. Hop là. C'est là, Score Geek, comment tu vas? Je vais comprendre, hein, vous inquiétez pas, je vais comprendre. Moi, quelque chose ne dégale pas une lune. Mais ça brille! Ok, il me reste combien à trouver ici? 1, 2, 3. Non, mais en vrai, j'en ai vraiment pas eu mal. J'en ai eu pas mal quand même. Hein. Et j'en ai eu pas mal déjà dans ce monde. Hein. J'en ai quand même eu pas mal dans ce monde. Bon, on fait quoi? On change de monde ou pas? Est-ce qu'on change de monde? Do we change the world? Je pense que ça peut être sympa d'avoir un nouveau monde, non, quand même. Si vous voulez voir un nouveau monde, dites que Romain Gigafiac! Ça traîne un peu pour MK, oui, oui. Ne vous inquiétez pas. Le pire Mario 3D! Oh! Comment ça, le pire Mario 3D? Je peux pas mentir. Mais j'ai un Gigafiac, c'est vrai. C'est pas mentir que dire que j'ai un Gigafiac! Dans Mario Kart, je suis 3 hype, ouais, ça va être cool, je pense. Au pire, 100% ce monde avant NK. Oh, j'aurais pas le temps, je pense. Alors, pour Zoo de Mario 3D, c'est franchement Bob Odyssey. Bah, franchement, pour l'instant, je passe un très bon moment dessus. Hein. Pays du lac ou pays de la forêt, vous préférez quoi? Lac ou forêt? Lac ou forêt? Je pense que je préfère forêt, en vrai, lac, ça me fait chier. Ah, vous voulez tous lac? Non, forêt, c'est plus sympa, le forêt. La forêt, c'est plus sympa. Lac est 10 fois mieux. Ah, oh, mais j'aime pas les mondes aquatiques, vous le savez. J'aime pas les mondes aquatiques. Tu pars sur quelle heure sur MK? Je pense que je fais encore 4-5 lunes et puis après on bouge. De toute façon, je sais très bien, aujourd'hui, personne n'arrivera à me battre sur MK. Écoutez-moi bien. Regardez cette tête. Nobody will beat me on MK, ok? Je fais top 1 aujourd'hui. Full top 1. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la thune en jeu. Il y a la thune en jeu. En s'auto-guider, oui, non mais je connais. Il y a la thune en jeu, les amis. Alex, elle a dit, à chaque fois que je fais entre top 1 et top 5, elle offre un sub. Et gagne le focus sur MK. Non, sinon j'arrête de faire le tournoi si c'est comme ça. J'ai enfin le monde des pommes perso. Encore? Bah oui, je lui ai proposé, elle a dit oui. Elle a dit oui, Alex. Forêt, mon monde préféré. Bah, il est cool, comme ça, en tout cas, il est classe. Moi, vous savez ce que c'est, mon monde préféré? C'est la Terre, parce que c'est là où vous vivez.
et que je vous aime. Salut Romain. Pas moi, oh, une pièce. Pas moi perso. Comment ça, c'est pas réciproque? C'est tellement romantique. Vous avez vu, je sais faire un petit peu de romantisme de temps en temps. Si tu offres un sub, tu finis une course au-delà de la 5ème place. Non, je mange du piment, c'est le cas. C'est le deal avec Alex. Longtemps, j'ai plus fait ton tournage, j'ai perdu ce moment, même si je pense que le niveau a augmenté, il y a du 200. Non, c'est pas du 200, c'est toujours même chose. J'ai pris un chemin secret là, non? J'ai un peu pris un chemin secret là, non? Chemin secret. Salut Proarch, comment tu vas? Première fois que tu es romantique, moi je peux vous faire des disquettes hein, si vous voulez. On m'appelle le roi de la disquette. Ok, des trucs là, mais je sais pas comment les récupérer. MDR. Je pense que le best monde c'est le royaume du fromage. Il y a un royaume du fromage. Des disquettes. Ok, j'ai une disquette. J'ai une disquette, vous voulez une disquette? Ça fait déjà 22 ans que je suis sur... j'ai bégayé. Ça fait déjà 22 ans que je suis sur cette terre. Et j'aimerais bien passer les prochaines avec toi. Oh, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans. OMG! Wouh! OMG! Dis-moi, Jazz, qu'est-ce que j'ai goûté à Chips la plus épicée du monde? Non. J'ai pas forcément envie de le faire, hein, vraiment. Ça va. Ok, je vais un truc. La première affirmation était un mensonge. Mais il n'y a pas eu de mensonge. Je ne mange jamais en live, ok? Je ne mange jamais en live, j'ai 22 ans. Est-ce que je dois le garder? Est-ce que je peux aller là-bas ou pas? C'est impossible, hein. Oh, la musique! Dire que tu mens pas est un mensonge, mais... En fait, vous cherchez trop le mal partout, hein. Je disais, vous cherchez trop le mal partout, en fait. Je le dis, vous êtes les agents du mal, voilà. Vous êtes les agents du mal, vous tous. Voxira, très cool ce Mario Odyssey. Voxira, est-ce que ça fait le tour dans Mario Kart là? J'espère. Voxira, j'espère que tu fais le tour dans Mario Kart. Putain, j'ai tout fait à l'envers hein, par contre. Si, Voxira, si. Est-ce qu'on peut convaincre Voxira de faire le tour dans Mario Kart, s'il vous plaît? Si Voxira fait pas le tour dans Mario Kart, j'annule le tournoi, voilà, sachez-le. Ah mais y'a un truc là. Tu fais ce que tu veux après Voxira, mais... Ah putain. Elle m'a avalé. Non. Non. Merde, reviens. Excuse-moi, Capi, pardon. Allez, Voxira. Allez, Voxira. Après, peut-être que Voxira est là pour faire le mal, hein, je sais pas. Il a peur qu'elle est là. Comment ça, Capybara?
Prends ça, Capybara. Mais il y a des trucs partout en fait, c'est incroyable. Il y a vraiment des trucs partout dans ce monde. Bon, comme tous les mondes en vrai. Hein. Woxira. Du coup, le top 1, ça sert à quoi? Le top 1 sur quoi, Mathieu? Woxira! Woxira! Sur Mario Kart, le top 1, bah tu marques plus de points quoi. En général, ça fonctionne comme ça. Hein. C'était que pour des pièces. Vraiment. Je sais pas s'il faut que je reste là-dedans ou pas, mais je reste. Hein. Ok. Ouais, c'est dangereux. Et ce niveau est dangereux. Hein. Je vous le dis, ce niveau est dangereux. La musique de ce monde est juste sublime, je suis d'accord. Ouais. Le but de finir premier et pas de pitié. Vous verrez bien de toute façon, vous verrez bien. Mais j'ai pas tardé à partir sur sur le tournoi là. Putain, je joue très mal hein. T'as déjà joué au jeu? Non. La plafloup! Oh putain! Putain, j'en suis sorti. Très bien ça. Ni focus, y'a pas l'amitié. Vas-y, viens, 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 viens. Ok. C'est pas mal. C'est bien ce que je fais ou pas? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Je peux nettoyer? Oui, je sais, je sais. Merde, putain, je suis sûr qu'il y avait un truc en haut. Je suis sûr qu'il y avait un truc en haut. Est-ce que Woxira a répondu ou pas? Non, il a pas répondu. Donc pas de tournoi Mario Kart, hein, je suis désolé les amis. Hein. Pas de tournoi Mario Kart pour l'instant. Pas de tournoi Mario Kart. C'est la tristesse. Du coup, tu pars sur Pikmin, c'est ça. Et voilà une lune, parfait. Je sais que j'enfige la Pixel War, mais vraiment, ce qu'on a fait, c'est incroyable. Pour les Français, tu veux dire. Moi, vraiment, c'est juste que je cautionne pas trop ce qu'ils sont en train de faire sur le site. Du coup, j'ai pas envie de m'impliquer là-dedans, quoi. Fais la toupie. Tu gâches ma journée. Waouh, ok, bon, c'est bon, on passe sur Mario Kart, c'est bon. Je fais le boss et on passe sur Mario Kart, ok? Enfin, je sais pas s'il est loin le boss, on va voir. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment que Mario Kart 8 Deluxe est pour moi le meilleur Mario Kart. Vraiment. Vraiment, je trouve que c'est un putain de Mario Kart, vraiment. C'est très stylé ça. Hein. Vraiment très stylé. Attends, ami, Babtou me ridiculisera sur MK. Oui, clairement. Oui. En vrai, tu fais penser à quoi mon pseudo Foxy à FNAF? D'ailleurs, FNAF, oui, je voulais en parler de FNAF. FNAF, on va probablement refaire sur la chaîne. Vu qu'il y a la sortie du film. Sûrement qu'on se refera un petit peu de Joy of Creation, peut-être. Attends, il y a des pièces là-bas. Donc voilà, vous êtes prévenus. FNAF risque de revenir. Voilà. En VR, non pas le VR. Le VR c'est mort, ça revient jamais. Salut Créadro, comment tu vas? Et merci beaucoup Buffalo Craft Game. Non, VR c'est mort. VR c'est mort, c'est dead. Non, on fera du Jeff Christian je pense. C'était celui que j'ai préféré. C'est sûr qu'il y a un truc là, c'était tellement sûr.
penserais pas du Skylanders. Non, j'ai été un peu saoulé de Skylanders. Je trouve que le troisième était pas au niveau des deux premiers, puis que ça devenait un peu répétitif quand même. Donc non, j'ai arrêté. Un truc là. Clairement un truc, hein. Le 4 aussi était incroyable, je suis d'accord. Je trouve que le jeu le plus dur, c'est Super Mario Bros. Wii pour faire 100%. Hein. Ça allait, je crois. Je sais pas pourquoi on a bien rigolé en VR. Ouais, non, c'était super, là, le FNAF VR, c'était super. Une fois, c'était super. De toute façon, dans le chat, je pense que personne n'a envie de revoir du FNAF en VR. Personne. Vraiment, personne n'a envie de revoir du FNAF en VR. Personne. Personne. Que des gens qui ont pas envie. Que des gens qui ont pas envie. Que des gens qui ont pas envie. Mais non, je t'ignore pas, Voxira, pardon. Voxira, participe, Voxira. Aïe, 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 aïe. Il a perdu son chapeau là. Voilà. Aïe. Il est hyper dur le boss là. Ça va aller. Ça sert à quelque chose que je fasse ça ou? Mais merde. Mais quoi? Mais pardon, mais. S'il te plaît! Non, si je meurs contre lui, c'est abusé. Si je meurs contre lui, c'est la honte. Hein. Tu joues à Splatoon, c'est un peu ça, ouais. Du coup, Oxira, tu participes? Non, c'est juste, hein. Ceci est un test de l'option. Merci pour les 1 balle. Merci Ugami beaucoup. C'est très gentil. J'espère que tu as apprécié. Ton message est épinglé pendant 30 secondes. Ouais, t'inquiète, je participe. Oxira, tu me déçois. Tu me déçois, Oxira. Décevant, Oxira. Je dis qu'ils font top 1, ils sont 10 000 heures de jeu sur Mario Kart. Ah, j'ai pas 10 000 heures de jeu. Bon, Mario Kart, mesdames et messieurs, on est parti ou bien? Est-ce qu'on est parti pour le petit Mario Kart? Et en vrai, je kiffe trop Odyssey. Je kiffe trop Odyssey. Hein. Vraiment, j'ai passé un très bon moment sur Odyssey, hein. Franchement. J'ai opté pour les 500 balles pour être épinglé 5 heures. Waouh. Salut Sageuka. Ah, c'est stylé ça. Ah, c'est stylé ça. C'est quoi ton jeu préféré? Twerk Master. Je suis un grand fan de Twerk Master, j'aime beaucoup. C'est le nouveau un gland là qu'il faut mettre. Il y a un cube là, what the fuck. Bizarre ce rocher, hein. What the fuck. J'ai hâte que le 2 il sorte, putain. À part ça, vous dites qu'il y a un... Vous dites qu'il y a un Odyssey 2, mais c'est rien de prévu, hein. C'est vraiment Sajuka. Sajuka, pardon. Excuse-moi, Sajuka. Bizarre, ce rocher n'est pas palpable. C'est quoi le prochain tribunal des bannis? Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas assez de bannis pour qu'on puisse en faire un. Boum! Ah, j'aurais pensé à. Les deux cassettes. Bref, je suis encore en train de jouer à Odyssey. Pourquoi je suis encore en train de jouer à Odyssey alors qu'on est censé partir sur Mario Kart? Si quelqu'un peut me donner une bonne réponse, ça serait super. C'était accro, j'aime beaucoup le jeu, ouais. En vrai, premier degré, j'ai beaucoup de fun sur le jeu là. Oh, il a arrêté. Allez, bon. Allez. Mario Kart!